Bon, on est parti pour le premier test de jeu pourri. Sur mon compte 97. Sur la SNES. Jeu grave pourri. Arrivé d'un héros fucking Hunger Raid. Non. La première fois que je vois ça dans un jeu. Ouais, la musique de merde aussi. C'est un jeu de tir 2D comme ça. Comme vous pouvez voir, c'est un jeu de tir 2D catastrophique. Putain. Voilà. On va réessayer, mais c'est franchement un jeu pourri. Hein. Il était si mauvais que il allait. Et il était tellement mauvais que à peu près tous les magasins l'avaient refusé. Ah, il est injouable ce jeu. Ce jeu de merde. Je suis obligé de retaper l'intro. Ah là là là, putain. Ça, c'est franchement un jeu moche et extrêmement pas bien fait. Il est pire que Bébé Skissi des Ghostbusters sur NES. J'espère que je vais pas trop rigoler hein, pour le test jeu pourri. Putain. Ouais, qu'est-ce que j'ai été. Ce jeu, il est pourri. La musique nulle là. Non, franchement, je te conseillerais pas de faire ce jeu là. Et je déteste ce jeu, putain. Non, pour réussir, vous êtes obligé de tout retaper quoi. Cette musique pourrie en arrière-plan là. Bon allez, ça suffit. Je vous conseille pas de l'acheter celui-là. Si vous voulez un jeu pourri, prenez Ghostbusters sur NES ou Dr. Jekyll Mr. Hyde sur NES, mais pas celui-ci. Absolument pas. Non. Quel jeu pourri, un joueur.